vous avez énormément apprécié la vidéo que j'ai sortie sur Birdcoo et vous avez été nombreux à vous abonner, donc je prends ça comme un go et je prends ça comme sans doute une bonne idée que j'ai eue de rejouer les Goku un petit peu oubliés Dragon Ball Legends. Et on est parti jouer un personnage qui a une spé cachée, c'est-à-dire une spé que je pense la plupart des gens qui regardent la vidéo ne connaissent absolument pas. Il faut être absolument aficionados de la chaîne. Dites-vous qu'on va jouer un perso qui l'a à plus de 4 ans, les gars. Il doit avoir 4 ans et demi. Est-ce que vous vous rendez compte, face aux ultras, on va jouer un personnage qui a 4 ans et demi. On va jouer le Goku violet du film Thales. Vous allez voir pourquoi on le joue. Ce qui est vraiment cool avec le perso, justement, c'est sa spé et sa carte ouverte. Regardez sa spé. Genki-Dama a une main. Les dégâts colossaux de type explosion augmentent de 60% le taux critique lorsque tu mets la spé. Donc, ok, on peut dire, bah, pourquoi elle ferait très mal? Bah, tout simplement parce qu'il y a une carte verte. Prêtez-moi votre force. Carte verte qui augmente pour la première verte de 80% les dégâts de spé jusqu'au reste de la game. 80%. Est-ce que vous vous rendez compte? 80%. Et la deuxième qui envoie une spé qui a 160% de dégâts. Est-ce que j'hallucine? 160% de dégâts alors qu'elle a un colosso et qu'elle a du crit. Et qu'elle a 70% de chance de stun. Donc bah c'est énorme, en vrai c'est énorme. Alors par contre à côté, bah, le perso il a rien du tout. Il a un soin, il pioche une spé. Mais sinon mis à part ça il a rien du tout. Et en plus ça s'il y a deux Yaleka ou moi je sais pas si on le verra hein. Mais encore 80% de dégâts de spé. Vraiment c'est un perso très rigolo. Et pourquoi je joue, vous allez dire bon bah ça suffit, ok c'est cool. Mais c'est pas seulement ça les gars. C'est que le perso et ben il est boosté. C'est à dire que le perso il est boosté dans les tiers, vous le voyez ici. Hop, tier Z et le personnage il est ici. Donc pardon je suis étalé ça. Et le Goku il est juste en dessous, il est là. Voilà. Le Goku il est là, donc vu qu'il est tier Z les gars, et ben c'est assez simple, c'est-à-dire que le perso il a 40% de dégâts infligés, de la def, et surtout il a 40 plus 20 x 2 vu qu'il y a 2 sagas des films, donc ça fait 80% de dégâts. Waouh, c'est quand même assez énervé, hein. 80% de dégâts sur le perso, donc forcément vous doutez, les spé vont cogner. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va juste regarder un petit extrait bien sympathique les gars, d'une game qu'on a faite avec le personnage, qui est ici, et vous allez voir que le perso il a tabassé, comme c'est vraiment sympa. De toute façon la vidéo va être assez longue, donc vous allez voir, mais bon encore une fois ce qu'il faut c'est garder les cartes vertes pour le perso et mettre les spé. C'est vraiment le plus important parce que c'est ça qui va être primordial pour mettre des dégâts, sinon je peux pas showcase le perso. Et ça me choque de voir vraiment ce perso là face à des nouveaux persos et des Zenkai, et vous allez voir qu'on a réussi à faire des choses sympathiques. Donc ce que je vous ai dit, la carte verte. Et c'est trop beau le Goku, franchement je le trouve trop joli. Et là bah c'est plutôt cool hein. Je veux dire le fait qu'on ait déjà une carte verte. Après avec Pan, bien, vous avez beaucoup de cartes vertes. Donc c'est un peu le cheat code ultime, tu vois, pour faire ça. Même si lui il va pas tanker hein, il va vraiment pas être là pour ça, mais on s'en fout un petit peu. Et là le Goku, bah on va mettre en place le Goku. On va pouvoir le faire là avec Pan, ce qui est bien c'est que c'est cool. Là voilà, on a les deux cartes vertes, donc à ce moment là et ben on a plus qu'à essayer de toucher notre adversaire. Et à ce moment là on aura 70% de chance de stun et 60% de dégâts, je me rappelle même plus tellement c'est énorme. Et regardez, ça met hit et bam, hit. Regardez les dégâts qu'on a mis sur hit à ce moment là vous avez vu les dégâts qu'on a mis sur hit. Je pense qu'il y a moyen, et on a stun hein, je rappelle. Donc il y a moyen qu'on voit du très lourd. Bon malheureusement je me suis fait contrer Rising, mais d'ailleurs c'est très très fort. Donc vous voyez en termes de dégâts ce que ça peut donner, c'était sur hit, si on peut caler ça sur un verre ça peut être incroyable. C'est parti. Allez les gars, on est parti. Bon, on est en combat au trésor, donc vous inquiétez pas. Bon, j'ai hâte, franchement, parce que j'avais bien kiffé quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec Gohan Beast pour pouvoir, évidemment, bah, prendre l'avantage, mettre la main un petit peu sur la game. On espère qu'il n'y ait pas végétaux jaunes en face. Il y a moyen qu'il y soit, ou il y ait Rosé, parce qu'on Rosé, si on one-shot Rosé avec un perso qui a plus de 4 ans, je peux vous assurer que je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, faut pas oublier, les gars, que ce Goku, il a été up. Je sais pas si c'est y en a qui s'en rappellent, mais alors là, c'est vraiment vieux. À ce moment-là, on avait des ups dans le jeu, un petit peu comme c'était le cas pour le Goku Tag Freezer qu'on a eu. Mais c'était différent, lui, parce que c'était un up gratuit, en fait, qui donnait sur pas mal de persos. Et du coup, bah, ça l'a rendu un peu plus méta, et du coup, ça m'aide un petit peu. Et justement, il y a notre ami Rosé qui est en face de nous. Oh, bon, on a une carte verte, on espère qu'il en ait pas une, lui. Oh non, 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 ouf, c'est bon. Ok, première carte, donc là, on a quand même une belle augmentation, hein, donc faut pas oublier. Donc la prochaine spé va faire très, très mal. Mais on va essayer d'en mettre une deuxième, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais quelqu'un dans ma team qui génère des cartes vertes, je sais pas si vous connaissez. Elle s'appelle Pan! Ok, bien joué.
pense que ça va pas tarder de mettre Rosé en face, hein, donc on va faire attention. En fait, ce qu'il faut, c'est que je mette de la pression sur son Végito, parce que là, le problème, c'est que si je mets l'aspect qui couvre sur Végito, bah, je vais pas dire que ça aura servi à rien, mais on est pas loin. On pourrait one-shot aussi, bon dégât. Hein. Et là, vous allez voir, c'est ce que je disais, là, il y a Végito, et c'est... je m'en doutais. Je notais c'était Végéto ici qui allait nous embêter, donc là ce qu'on fait c'est qu'il faut qu'on temporise, j'ai pas pu taper attaque avec les lags. Il break, oh là qu'est-ce que c'est que ce move. Oh break le main ulti. Putain, et après il pense que c'est des génies mais putain. Et du coup il prend le kill alors qu'il le prenait pas, non c'est bon. Pour l'instant on peut attraper personne mais faut pas se presser, on est bien. Hein. Pas se jeter. Je ne comprends rien avec l'ergue. Let's go ça. Oh les dégâts. Ok, on l'a bien tartiné. Hein. Dommage, on est pas stun, hein, franchement. On avait 70% de chance de stun, hein, je rappelle. C'est quand même pas rien. Il a encore une cover migatée ou pas? Eh ouais. Là, ça va pas être la même histoire parce que la Gwen Beast prend le kill, parfait. Ok. Il nous a bien. Oh là là, carte verte, donc là on a plus de carte en main. Ok. Dommage parce que la verte, franchement, elle est vraiment bien là pour le coup. Vous voyez les bons dégâts. Je rappelle que Rosé est nullifié en face, hein, je crois. Hein. Je crois que Rosé est nullifié, donc forcément c'est pas mal. Hein. C'est encore plus pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, le Goku, j'ai essayé de vous le montrer, mais il a une très belle pose de victoire. Ça me fait trop plaisir, les gars, de faire ces petits showcase là, de qu'on rejoue les anciens Goku et tout. Si vous kiffez, franchement, moi, ça avec grand plaisir qu'on se repasse ça parce que bah, oui, qu'il y a des choses rigolotes à faire en vérité. D'ailleurs, il y en aura, je pense, plusieurs ce week-end. Des vidéos avec des Goku. Tard à l'époque. Ok, attention parce qu'il peut récupérer sa TP. Aïe, aïe. Le problème, les gars, c'est que j'ai pas de ki. Hein. Regardez ça, le perso il pioche pas. Il a pas de ki, putain, c'est terrible. Je vais bien essayer, moi, mais je peux pas. Ok. Allez, Goku, s'il te plaît. C'était sûr. Ok, c'est pas grave, c'est bon. On va récupérer un peu de ki. Là, c'est énorme. Let's go! Regarde la pose de ce Goku. Pause vidéo, ok, plutôt sympathique. Bon, première game, on a réussi à caler l'aspect, parce que c'est pas si simple que ça. On a réussi à caler l'aspect, dommage qu'on ait pas stun en vrai. On n'a pas été récompensé, 70% de chance, pas de bol. C'est vraiment super rigolo ce qu'ils ont fait avec ce Goku là, de fait de changer sa aspect en fonction du nombre de cartes vertes que tu fais. Et pour que t'aies la chance de stun, faut bien faire les deux cartes vertes. Si tu fais pas de carte verte, tu l'as pas. Et si tu fais qu'une seule carte verte, je crois que tu l'as peut-être pas non plus. Donc c'est rigolo parce qu'en plus c'est pas spécifié. Donc si tu l'as jamais vu, tu le sais pas. Donc c'est trop rigolo franchement. Moi je kiffe ma vie à jouer des persos fun comme ça. Franchement c'est ça ma vie. Bon on rigole mais double ultra quand même. Double ultra pour notre cher Goku. C'est moins rigolo. Mais là il manque deux kills perso, ça se voit mais tellement. C'est quand même assez dingue. Il manque vraiment qui. Et là, le problème, c'est que j'aimerais bien... Ouais, let's go, ça. Ça, c'est très bien, ça. Voilà. Parfait, ici. On va pouvoir carte verte tranquillement. Là, il devrait... J'aimerais un Zenkai de ce perso, franchement. Zenkai de ce Goku, ça envoie. Alors, sur le main, il génère une spé, mais bon, faut-il avoir le ki? C'est ça, le truc. C'est déjà bon. On a déjà généré tout ça, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est jamais. On y va. Taux de critique augmenté, possibilité de sol. Sol. C'est énorme, franchement, c'est... Let's go, les gars.
Et ben ça c'est sympa, franchement cette petite game là je... Voilà, je kiffe, c'est ce qu'on en, on en parlait, le petit stun possible, les dégâts ils sont quand même pas si mauvais, hein. Franchement ils sont loin loin d'être mauvais, après c'est hit en leader, en, en futur en plus de ça, et je crois que le frérot il s'est senti un peu dans la sauce derrière. Banger. Bon, encore une fois, ce qui est énorme, c'est, j'imagine pas les mecs en face. Imaginez-vous, vous êtes en face, vous partez dans le ladder, vous dites, ouah, je vais tomber sur Hit Rosé. Tu tombes face à Goku violet du film Thalès. Du film de Thalès. qui te met une spé de malade mentale pour derrière te carte verte, enfin te stun. Ils doivent halluciner, franchement, ils doivent halluciner. C'est vraiment super drôle comme team. Allez, bon. On est parti, pas de spé en main tout de suite, mais en tout cas ce qui est cool bah, c'est qu'on a l'open. Donc vu qu'on a l'open, on a quand même des chances d'aller chercher cette carte verte, non? J'ose espérer. Le fait qu'on ait une spé, on s'en fout un petit peu là. Je sais pas lequel des. Ça, lequel des. Transfo, laquelle transfo de Charlotte ça joue. Bon, j'espère qu'au moins je vais avoir une verte là quand même. Bon, c'est dingue que j'ai pas de carte verte quand même. Ok, et de une. Et de une. Vas-y Goku, rassemble ton énergie. Bien joué. Ok, on a la deuxième qui arrive. L'imperfect dodge. Non, ça. J'ai tellement d'augmentation là. Voilà pourquoi je le fais pas, les gars. Ok. Plutôt bien, là. Plutôt bien là-dessus. On va main ulti. Hein. Parce qu'on va main ulti avec One Beast, là. Je pense qu'on n'a pas le kill. Je pense, les gars, qu'on n'a pas le kill. Mais vas-y, c'est pas très grave en soi. Il faudrait qu'on passe l'aspect sur le tag. Parce que le problème, c'est que Badak, il va la tanker, en fait. Donc je pense que si... Oh, torpeur garantie ici, fait chier. Ok, elle a pas proc. Ok. Encore une fois, on va garder. Hein. On va garder, les gars, le stack de spé, parce que sinon ça va... Je pense que ça, c'est pas une bonne idée, en fait. Ouais, il switch directement sur Bardock. Donc on a compris, il faut tuer Bardock si on veut réussir à faire quelque chose avec ce Goku. Il va main, je pense. Ok, parfait. Très bonne nouvelle, ça permet d'être une super. Alors, est-ce qu'il met Charlotte ou est-ce qu'il garde? Je pense qu'il fait tout pour jouer Bardock, donc ouais, c'est ça. On est face à un adversaire qui vraiment joue Bardock à 100%. Il est là que pour lui. Du coup, bah forcément... Ok. Belle table, j'allais dire, pas forcément. Après, Beast a pas de cap Zenkai, hein, je rappelle quand même. Ok. Pourquoi pas. Je rappelle encore une fois, ce qui va être très cool, c'est qu'on pioche une spé sur le main. Donc, si on a le ki. Et on y va, je sais pas si Bardock est là, peut-être, sans doute, mais d'ailleurs. On ne tue pas! Let's go! Bon Goku! Là! Encore un abandon! Par contre, hey, faut arrêter, tu fais abandonner tout le monde, mon frérot, là, c'est... Hey, ils sont choqués, je pense, en face. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi tout le monde abandonne face à Goku? Il a quasiment 5 ans, frère, 5 ans! En vrai, on commence à avoir un pool de personnages sur Dragon Ball Legends qui est assez vénère. Enfin, je veux dire, des persos dans le jeu, on en a quand même vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu mon rôle aussi à moi de vous faire découvrir ces persos-là. Pour ceux qui le savent, juste vous le remontrer en fait tout simplement. Et j'estime que c'est vraiment une chance de pouvoir faire du contenu et que ce contenu-là soit regardé, soit jugé, que ce soit en bien ou en mal. Donc merci à vous de me laisser la chance de faire ça. Et c'est pour ce genre de vidéo-là où je prends beaucoup de plaisir. Bon, sinon mon Goku, qu'est-ce que tu dirais d'un beau petit one-shot là? Ça serait cool. Moi, un petit one-shot, je dis oui. Ok, c'est cool parce qu'il nous a détruit les cartes ici, on aurait pu être en mode oula, attention. Parce que si nous détruisait la verte, ça aurait pu être relou, mais au final, voilà, la verte elle est là, let's go.
Let's go, let's go. Petit strike rigolote, et là en carte verte direct, parce que si jamais lui verte en face, il me détruit ma verte, vous connaissez avec Rosé. On se méfie. Alors oui, c'est vrai que l'aspect, elle a qu'une seule fois le... Elle a qu'une seule fois l'animation, mais je trouve ça quand même stylé. Mais la pression à son Rosé, c'est bien pour Gohanbi, c'est moins bien pour Goku, parce que... Bah, on préfère que ce soit plutôt sur son... Que son tag Vegetatron soit pas là, plutôt. Break. Ouais, break là, je pense. On va strike utile. Ah non. Bien joué. Belle pression mise. Alors, on va partir sur Pan ici, à nullifier en plus défensivement. C'est parfait, parce que là, Goku, quand il, s'il rentre et qu'il est en mesure de vertiper, ça peut être très 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 cool. Ouais, l'aspect elle est là. Mais par contre, tu vas t'arrêter de taper, Vegeta. On a l'avantage sur les deux personnes en face, les gars. Ce n'est qu'un au revoir, comme on dit. Est-ce que je meurs là-dessus? Oh, le one shot! Comme il a fait trop mal au tag. Après, c'est pas giga au petit en face, mais. Voilà, on était vigilants, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est une belle petite carte verte. Une belle petite spé, pardon, ici. Wouah! La tape qu'on lui a mis au tag! Il est 3 étoiles, mais je m'en fous. Oh, let's go! Ah, si on arrive à lui faire prendre tous les kills, ça serait gigantesque. Alors là, on avait qu'une seule carte verte du coup au final, mais waouh, après le stack, mais franchement, il a fait mal. Dans cette game, il a pris un kill, le stun, mais bon, du coup, il ne servait à rien. Cette spé là qui est. Enfin, moi, même si c'est le Vegeta Trunks pas très opti en divin, c'est parce que c'est divin un peu en face avec le tag en leader. Oui, non, mais d'accord, mais quand même, il y a des capsets, genre. Et moi, mon Goku, quand même, il est vieux, quoi. C'est quand même un peu vieux, quoi. Ah, il a résine la TP, non, dommage. Mais évidemment qu'on aurait. On devrait taper direct. Et on va se payer là. Bien sûr qu'on va se payer là-dessus. Quel perso de merde, Rosé, quand même. Il a tenu, hein. Il a tenu ce perso là de l'enflure là. T'as la chance. Après, il est 8 étoiles, Rosé, pour le coup. Hein. Bon, c'est Rosé 8 quand même. On parle pas de n'importe qui là. Alors, j'ai une main. Il a joué, il a eu peur. Le mec en face avec Rose Ultra, t'es ma Rose Ultra, il a eu peur de Goku du film Thales. Il a eu peur, il est resté off map, il a pas bougé. Bon, j'espère que vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à m'éclater la barre de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous, vous êtes ici, vous êtes bien, vous êtes posé sur la chaîne, on se prend pas la tête. On est là pour tester des vieilles unités, des nouvelles récentes, de faire des showcases un petit peu fun. Et c'est ce qui me caractérise, donc j'espère que vous kiffez les gars dans cette série. Prenez soin de vous, je fais de gros bisous. Passez un excellent week-end, ensoleillé, mais enfin, quoique. Je suis pas sûr. Ciao.